C'est bon? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette keynote sur les crypto-monnaies pour les petites et moyennes entreprises. Je suis Jérôme Kiffer, je suis directeur général de KPMG, je m'occupe plus particulièrement des activités dédiées aux petites et aux moyennes entreprises et aux entrepreneurs. Et je suis là avec Alexandre de Blockchain Partners qui nous a rejoint il y a à peu près un an maintenant pour porter l'offre crypto et blockchain chez KPMG. Le sujet de la crypto, c'est un sujet que certains d'entre vous connaissent bien, d'autres beaucoup moins bien. On va s'attacher lors de cette présentation à faire quelques éléments de rappel sur les enjeux. Et puis après, on va se dire finalement, aujourd'hui, on n'ignore pas le contexte crypto actuel. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire comme en termes de cas d'usage, d'utilisation dans les entreprises de petite et de moyenne taille. Alors Alexandre, je vais te laisser la parole pour ouvrir la discussion sur les cryptos aujourd'hui et demain. Pas du tout biaisé d'ailleurs. Alors bonjour à tous, merci Jérôme. Donc moi Alexandre Stachenko, j'ai fondé, comme disait Jérôme, il y a une start-up il y a maintenant 7 ans, donc je connais un petit peu le principe des TPE-PME en ayant été moi-même gestionnaire pendant très longtemps. Et effectivement, l'an dernier, on a rejoint KPMG pour faire l'offre crypto, proposer notre expertise crypto aux grandes entreprises, mais aussi aux entreprises de taille un peu plus modeste, qui ont des besoins un peu différents. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que ça avait un peu de sens de faire cette présentation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est je vais essayer de balayer assez rapidement l'intérêt des cryptos en général, à quoi ça sert, parce que souvent c'est quelque chose qui est assez méconnu pour beaucoup, ça va être un objet spéculatif, ça sert pas à grand chose, etc. Donc on va voir à quoi ça sert concrètement. Ensuite on va s'attarder un peu plus sur justement les usages pour des TPE-PME et ensuite évidemment on va ouvrir aux questions si vous en avez, et je pense que vous en avez. Alors d'abord quelques chiffres sur le marché crypto. Parce que souvent, un des problèmes qu'on a avec le marché crypto, c'est que pour beaucoup de gens, c'est un truc de geek dans un garage. Les gens s'envoient des bitcoins, mais finalement, s'il y en a 3 sur la planète, c'est déjà bien. Et donc, j'ai besoin de vous montrer ces chiffres pour vous montrer qu'il s'agissait d'un marché de niche il y a maintenant quelques années, et aujourd'hui, ça ne l'est plus vraiment. Tout d'abord, on est sur une capitalisation de marché total qui est autour de 1000 milliards de dollars pour les cryptos. Alors je vous dis ça, évidemment, si vous suivez l'actualité, ce chiffre a dû être changé plusieurs fois ces dernières semaines, mais on était évidemment largement au-dessus il y a encore quelques temps. En termes de comparable, on est autour de la valeur d'Amazon pour avoir bien ça en tête. Bitcoin tout seul, je vous l'ai mis à droite, alors Jérôme cache l'écran mais c'est pas grave, Bitcoin est dans le top 20 des actifs les plus valorisés du monde. Donc c'est pareil, ce n'est plus vraiment un actif de niche. D'un point de vue adoption, on est autour de 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Ça, c'est un chiffre qui date plutôt de la fin d'année dernière, donc on est probablement un peu au-dessus maintenant. Et en France, on est à 8% des Français qui possèdent des cryptos. Alors, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, parce que c'est pas beaucoup, 8%. Finalement, les voisins sont à plus. Hein, l'Allemagne est à 9%, les États-Unis sont à 12%, le Nigeria ou la Thaïlande sont à 40% de gens qui ont de la crypto, donc c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup parce qu'en France, il n'y a que 6,7% des gens qui ont des actions. Donc il y a plus de Français qui ont des cryptos que de Français qui ont des actions en propre. Donc c'est pour ça que c'est plus vraiment un marché de niche, et même en tant que PME, on doit pouvoir s'y intéresser. D'un point de vue transactionnel également, avant de rentrer dans le vif du sujet, on parle souvent des cryptos comme des actifs sur lesquels on va aller jouer sur le prix, on va en faire de la diversification de trésorerie, etc. Mais il y a aussi un aspect transactionnel très important. Juste pour que vous ayez une idée d'ordre de grandeur, les deux plus grosses cryptos, c'est-à-dire Bitcoin et Ethereum, font 1,5 million transactions par jour, c'est-à-dire deux fois plus que l'équivalent de SEPA aux États-Unis, qui s'appelle donc FedWire. Et donc si on regarde juste sur la valeur de transaction, 13 000 milliards ont été gérés par Bitcoin l'an dernier, c'est-à-dire plus que Visa. Donc tout ça, évidemment, juste pour vous dire, c'est plus un marché de niche, c'est plus négligeable, et ça veut dire qu'évidemment, on doit y porter un intérêt certain. Maintenant, trois concepts que je vais développer, c'est vrai pour les grandes entreprises, mais c'est vrai aussi pour les TPE-PME. Qu'est-ce qu'on a avec les cryptos? On a trois grands concepts qui sont amenés et qui n'existaient pas forcément avant. Le premier, c'est la rareté numérique. C'est-à-dire qu'avant les cryptos, avant l'existence des cryptos, quelque chose qui existe en ligne, par définition, n'est pas rare, puisqu'on peut en faire des centaines de milliers de copies. Finalement, quand on envoie un email, on n'envoie rien du tout, on fait une copie de cet email quelque part. Et ça, c'est évidemment hyper intéressant pour l'information, mais c'est beaucoup moins intéressant dès qu'il s'agit de traiter de la valeur. Dès qu'on veut avoir quelque chose qui doit être rare, dès qu'on veut de la monnaie, dès qu'on veut un NFT, il y a plusieurs stands ici qui proposent des NFT, il faut qu'on puisse gérer la rareté de cette chose-là, parce que si on peut en créer autant qu'on veut, ça ne vaut plus rien.
Donc ça, c'est ce qu'apporte Bitcoin, et c'est déjà en soi très intéressant parce que ça veut dire qu'on arrive à se passer du tiers de confiance pour réaliser des opérations sur tout ce qui est conservation et paiement. Et donc évidemment, même en tant que TPE-PME, bah, on a tous de la trésorerie à gérer, et donc ça veut dire que sur l'aspect paiement, déjà rien qu'avec Bitcoin, on a un intérêt, un cas d'usage potentiel qui vient, et je l'aborderai après. Le deuxième concept que je veux aborder, c'est celui de la jetonisation. Alors la jetonisation, c'est assez simple. En gros, ça consiste à représenter par un jeton un actif, n'importe lequel. On peut prendre une chaise, un immeuble, un item dans un jeu vidéo ou une monnaie traditionnelle, un euro par exemple. Et en le représentant par une crypto, en fait, on va lui donner tous les avantages des cryptos. C'est-à-dire que ça devient divisible, transférable, liquide, mondial, pas d'intermédiaire, etc., etc. Encore une fois, j'y reviens juste après parce qu'il y a un gros intérêt, notamment sur ce qu'on appelle les stablecoins, pour aller réaliser des opérations à l'international, du paiement avec des clients ou accepter des paiements, par exemple, en crypto, avec beaucoup moins de frais et en beaucoup moins de délais. Et la troisième chose que je voulais aborder, c'est les smart contracts, alors qui ne sont pas smart et qui ne sont pas contracts, je suis désolé, ce n'est pas moi qui choisis les termes, c'est de la programmabilité. Voilà, c'est très bête, c'est comme dans le milieu informatique normal, s'il se passe quelque chose, alors il se passe autre chose. Sauf que là, on arrive à le faire avec de la valeur, alors qu'avant, on ne savait le faire qu'avec de l'information. Alexandre, vas-y. Deux petites questions que personne n'ose poser, mais certains seront intéressés. Il y a combien de cryptos à peu près établis aujourd'hui? Et qui peut miner finalement? Parce qu'on parle de fondation derrière, etc., d'open source. Qui peut miner? Est-ce que c'est libre? Est-ce que c'est protocolisé? Voilà. Comment ça se passe derrière? En fait, il faut voir cet écosystème un peu comme Internet. C'est-à-dire que des cryptos en soi, il y en a des dizaines de milliers. Mais c'est comme des sites web. Il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils se valent tous. Il y a des sites web qui n'ont absolument aucune visite et qui n'ont aucun contenu. Et puis, il y en a d'autres que tout le monde visite. Donc là, c'est un peu pareil. Malgré le fait qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers de cryptos, par exemple Bitcoin tout seul, c'est la moitié de la capitalisation de marché de toutes les cryptos. Donc évidemment, ce n'est pas du tout comparable au reste des cryptos. Bitcoin est un peu un ovni parce qu'effectivement, on ne sait toujours pas qui est le fondateur. C'est open source, il n'y a pas de fondation derrière. Donc c'est vraiment un ovni qui vit son bonhomme de chemin tout seul. Et donc tout le monde peut miner? Tout le monde peut miner s'il a envie de participer à la sécurité du réseau. Dans un monde un peu plus complexe, ça pourrait même être un cas d'usage pour une TPE-PME d'aller miner. Mais pour l'instant, on va s'arrêter sur des cas d'usage un peu plus simples parce que c'est, je vais dire, c'est l'étape 2 dans le monde des cryptos. Pour reprendre mon propos et voir un peu plus la lame de fond derrière tout ce que je viens de dire, en gros, si on schématise un peu, les cryptos représentent un peu le Web 3, donc, terme que vous avez probablement entendu quelques fois ces dernières semaines. Le Web 1, c'est tout ce qui est lecture. Donc c'est on va sur un site, on lit de l'information, on s'en va. Le Web 2, c'est le Web actuel, c'est le Web social, c'est le Web de la lecture et de l'écriture. Donc chacun peut créer du contenu, participer aux réseaux sociaux, etc., etc. Mais il manquait une brique qu'apporte le Web 3 avec les cryptos, c'est la brique de possession. Donc concrètement, ce que ça veut dire pour tout le monde ici, d'ailleurs même en tant que particulier, hein, puisque les cryptos, évidemment, il y a un aspect particulier, on a des cryptos, on peut les payer avec, c'est que avant les cryptos, tout l'argent que vous possédez dans le monde numérique, vous ne le possédez pas. C'est du passif. C'est du passif dans un compte en banque. Alors qu'à l'inverse, dès que c'est du physique, si vous avez du cash dans votre portefeuille, c'est un actif. Avec les cryptos, vous retrouvez le concept d'actif, mais version numérique. Donc vous pouvez posséder de l'argent en ligne, hors de la banque. Et donc ça, c'est extrêmement important pour un particulier. Évidemment, je pense à la moitié de la planète qui n'est pas bancarisée et que ça intéresse d'avoir de l'argent sans avoir un compte en banque. Mais c'est aussi intéressant pour les corporates qui peuvent avoir envie de gérer leur trésorerie sans l'intervention d'un tiers de confiance. Donc là, c'est très intéressant d'aller regarder cette brique de possession qui n'existait pas, encore une fois, avant l'émergence du Web3. Oui. Ce Bitcoin, tu le possèdes avec quoi? Un wallet? C'est qui l'opère? Ça appartient à qui? C'est des groupes derrière ou c'est le même système ouvert? Alors, posséder des cryptos, ça veut dire en général posséder un mot de passe. Et ce mot de passe, il relève de sa responsabilité de le sécuriser. De la même façon, en fait, on peut comparer un peu à de l'or. C'est-à-dire que si tu as un lingot d'or, il n'est pas à la banque, ça vaut de l'argent, mais c'est à toi de le sécuriser. Est-ce que tu as envie de t'embêter à mettre un coffre-fort chez toi, des gardes de sécurité, etc.? Pas forcément. Bon, il se trouve que c'est un peu moins compliqué de sécuriser du Bitcoin parce que comme c'est pas physique, le mot de passe, on peut le diviser en plusieurs endroits, on peut faire des signatures multiples, on peut, voilà, il y a des procédures de sécurité. J'en profite pour faire de la pub. Nous venons de sortir un rapport, évidemment, sur la cybersécurité des cryptos. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous pouvez venir nous voir à notre stand après pour en discuter, évidemment. Mais c'est le pilier, évidemment, des cryptos, c'est comment on les sécurise. Parce que si vous donnez vos cryptos à quelqu'un d'autre, bah, retour à la case départ, hein, vous êtes retourné dans une banque qui gère vos cryptos. Ce qui n'est pas forcément un mal en soi, mais c'est juste qu'il faut le savoir. Alors,
rentrons un peu plus dans les différents types de crypto, et notamment parce qu'il peut y avoir des usages pour les PME là-dedans. Dans les cryptos, on va retrouver beaucoup de ce qui s'appelle les cryptos fongibles. Fongible, le terme peut faire peur, en réalité c'est assez simple, ça veut juste dire que deux jetons ne sont pas distinguables. Donc 1 euro par exemple, que ce soit cette pièce-là ou la pièce d'à côté, je m'en fiche, ça vaut toujours 1 euro. A l'inverse, on appelle non fongible deux jetons qui sont distinguables. Évidemment, si un jeton représente ma maison ou celle de mon voisin, j'ai intérêt à ne pas me tromper, parce que sinon je ne peux pas rentrer chez moi, je ne peux pas vendre ma maison si j'ai envie, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les jetons non fongibles, dont je disais en introduction que certains stands d'ailleurs en font aujourd'hui, pour par exemple créer des communautés, engager des communautés, créer des clubs, créer un effet premium, membership. Et donc on va retrouver ces NFT beaucoup dans le milieu de l'art, dans le milieu du jeu vidéo, mais aussi, vous l'avez peut-être vu à l'entrée de Vivatech, on a ce qu'on appelle les Proof of Attendance Protocol. Donc vous avez la capacité de prouver avec un jeton que vous étiez là. Et donc après, charge à Vivatech de développer l'utilité de ce jeton. Donc est-ce que vous allez avoir des événements spéciaux parce que vous faites partie de ceux qui étaient là? Est-ce que vous allez avoir un accès premium à certaines choses? Est-ce que vous allez avoir des réductions à certains événements? En tout cas, ce NFT, ces NFT, parce qu'évidemment il faut en créer à chaque fois pour l'occasion, ils permettent de créer des communautés et de les fédérer autour d'un effet rareté, d'un effet premium. Et donc ça, évidemment, le monde de l'art fait partie des premiers qui s'en est emparé, parce qu'avec ces NFT, on a la capacité, comme je le disais, de représenter de la rareté numérique, et on le sait, dans l'art, en règle générale, entre un original et sa copie, il y a une différence de prix significative, et une différence de valeur, une différence de marché, une différence d'intérêt. Donc ça, cette différence qu'on retrouve déjà dans le monde de l'art, eh ben en fait, on peut la retrouver maintenant dans le monde numérique avec cette effet collection. Et c'est pas innocent d'ailleurs, vous l'avez peut-être en tête, une des licornes françaises sur le sujet des cryptos, c'est Sorare, et Sorare fait des NFT de joueurs de foot. On me dira, bah oui, mais des cartes Panini, ça existait avant, très bien, mais c'était pas numérique. Et ça fait 20 ans qu'on sait pas le faire en format numérique parce qu'on n'avait pas les cryptos. Donc maintenant, ce que fait Sorare, c'est un mix entre les cartes Panini, la collection, la rareté, et mon petit gazon, c'est-à-dire un jeu de fantasy football où le fait de posséder ces cartes vous donne un avantage sur les voisins parce que vous possédez un joueur qui a des bonnes performances dans la vie réelle. Alexandre, tu nous as dit crypto aujourd'hui, c'est le volume de transactions de Visa. Donc c'est quand sur même, Bitcoin, oui. Voilà, sur Bitcoin, c'est quand même pas rien. L'état du marché sur les NFT aujourd'hui, on est early stage, on est pour l'instant assez early stage. Alors déjà, il y a une raison structurelle, c'est que les NFT en règle générale sont même designés pour ne pas être liquides. Si vous achetez une maison, c'est normal qu'elle soit moins liquide qu'un jeton fongible dont la nature même c'est de pouvoir faire des transactions et des paiements. Donc le marché, il y a moins de transactions parce que c'est pas fait pour faire plus de transactions. Et deuxième chose, on est au début. Donc effectivement, pour l'instant, des NFT, il y en a pas mal. Il y a eu une petite bulle il y a quelques mois, donc il faut pas non plus balancer des NFT dans tous les sens parce qu'on veut faire un NFT. Il y en a beaucoup qui n'ont aucun sens et qui ne valent rien et qui d'ailleurs ne sont pas liquides, donc ils ne sont jamais revendables. Mais on estime à peu près aujourd'hui, ou en tout cas il y a quelques mois, parce qu'on a fait le calcul il y a quelques mois et qu'aujourd'hui c'est un peu différent, mais là où le marché crypto vaut 1000 milliards, les NFT on est plutôt autour de quelques dizaines de milliards. Donc c'est encore tout petit par rapport au marché crypto dans son ensemble. J'avance, il me reste 2 slides et je pense qu'on va me faire des gros yeux si je n'avance pas. Autre cas d'usage très intéressant, plutôt sur le paiement, c'est ce qu'on appelle les fameux stablecoins. Alors les stablecoins, c'est intéressant parce que c'est un peu le meilleur des deux mondes, en tout cas pour les avantages. Évidemment, ils présentent des risques qu'on pourra aborder tout à l'heure. Mais le principe d'un stablecoin, en règle générale, c'est qu'on va avoir de l'argent qui va être bloqué dans un compte bancaire, en règle générale, qui peut être d'ailleurs audité, par exemple par KPMG, pourquoi pas, qui se trouve ici d'ailleurs un nouveau métier. Et cet argent bloqué va permettre en fait de générer des jetons. Et ces jetons donc étant collatéralisés à 1 pour 1, et ben en fait chaque jeton vaut 1 euro ou 1 dollar, peu importe. Alors pourquoi on fait tout ça? Parce que entre envoyer 1 euro à l'international via le système traditionnel et envoyer 1 euro à l'international ou 1 dollar à l'international via une crypto, ben en fait c'est le jour et la nuit. Alors j'ai sorti une slide où normalement je montre un exemple, mais c'est moins le cas pour les TPE-PME, mais il y a des entreprises qui envoient 100 millions, 500 millions de dollars à l'autre bout de la planète, ça leur prend 15 secondes et ça leur coûte 10 euros. C'est infaisable avec le système financier traditionnel. D'autant que même si c'est samedi à 2h du matin, évidemment ça ne ferme pas le soir et le week-end les cryptos, donc on a un avantage incommensurable par rapport au système financier traditionnel. Les risques étant majoritairement que évidemment il faut avoir la garantie que ce jeton vaut 1 dollar, parce que sinon vous vous retrouvez à envoyer une monnaie de singe qui ne vaut rien, et donc ça va dépendre de la qualité du stablecoin. Évidemment aussi KPMG peut être là pour conseiller sur ceux à utiliser ou non, mais il y a aussi les risques d'adoption.
Si un stablecoin c'est formidable mais que vous êtes le seul à l'utiliser, bah, ça ne sert pas à grand chose. Donc il y a évidemment tout ce qui est enjeu d'adoption pour les paiements à l'international. Pour l'instant, il y a beaucoup de grands groupes qui s'en servent pour faire des paiements interfiliales parce que justement ils n'ont pas cette problématique d'adoption. À partir du moment où c'est interfilial, bah, ils ont juste à dire on fait comme ça et on fait comme ça. Mais évidemment, l'adoption progressant, on se retrouve à pouvoir faire, à utiliser ces fameux stablecoins pour des opérations de paiement de manière très intéressante, liquide, désintermédiée, pas de custodian, etc., etc. Juste pour nous dire aujourd'hui, c'est plutôt des grands groupes qui s'en servent, des établissements financiers, l'adoption elle se fait chez qui aujourd'hui ? Pour l'instant, c'est les deux, c'est soit des grands groupes côté corporate traditionnel, ouais, soit plutôt des PME mais qui vont être natifs crypto, c'est-à-dire okay, que pour lesquels il y en a certaines même qui n'ont pas de compte en banque en fait, en réalité elles vivent en stablecoin, elles vivent en crypto, donc elles payent leurs clients crypto, elles reçoivent des cryptos, donc il n'y a pas d'intérêt à ouvrir un compte en banque. Okay. Et donc pour l'instant sur la partie PME, c'est surtout des acteurs natifs qui se servent de ça parce qu'il y a une question d'adoption évidemment. Quand on est dans un écosystème crypto, on sait que la personne en face elle va accepter les stablecoins, donc c'est plus facile. Ok. Alors, dernière slide un petit peu pour récapituler ce qu'on s'est dit. En gros, dans les cas d'usage, en tout cas immédiat, évidemment, sur le format qui nous est imposé et sur le temps qui nous est imposé, je pourrais en parler une heure de plus, mais si on essaye de le faire de manière très courte, les différentes choses à envisager en tant que PME pour les cryptos, il y en a un, ça relève plutôt de la gestion d'actifs, diversification d'actifs. On est sur une classe d'actifs qui est alternative, qui n'est pas traditionnelle. Donc, certaines entreprises, nous, ça fait déjà, bah, en tout cas depuis qu'on a rejoint KPMG, même si c'était déjà le cas avant, on a des entreprises qui nous sollicitent, des PME un peu partout en France, qui nous disent, voilà, je veux mettre 1, 2, 3, 4, 5% de ma trésorerie en Bitcoin, en crypto, parce que je considère que c'est un placement de long terme pour mon surplus de trésorerie et donc je vais pouvoir aller chercher, déjà me protéger par exemple contre l'inflation, me protéger contre d'autres marchés qui peuvent être encore plus dans une mauvaise passe que les cryptos. Mais en règle générale, il faut vraiment le considérer comme un pari de long terme. Les cryptos subissent souvent des cycles où ça monte beaucoup, ça descend beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la tendance à long terme. Et donc en règle générale, c'est plutôt ça qu'il faut regarder quand on regarde les cryptos comme une classe d'actifs. La deuxième chose à aller regarder, c'est ce que j'ai dit, c'est les paiements. Et donc là, on a plusieurs sujets. On a les paiements internationaux où on va avoir l'élimination de plein d'intermédiaires et de frais avec ces fameux stablecoins. Donc ça, c'est intéressant si par exemple, on est une PME qui est tournée vers l'international, vers le commerce, ce genre de choses. On a eu d'ailleurs des demandes aussi sur ce sujet-là. Ouais. Que je lis avec le deuxième point, le fait de non pas passer par le stablecoin, mais par du Bitcoin, ça permet également de changer d'étalon monétaire. Et donc ça peut être intéressant lorsqu'on traite à l'international, parce qu'on n'a pas envie de s'exposer soit à la volatilité d'autres monnaies, parce qu'on a souvent le biais d'ancrage où on pense que l'euro, c'est stable, donc toutes les monnaies sont stables. Non, dans le monde, il y a 10 monnaies qui sont stables, le reste, c'est un peu plus compliqué. Donc on peut avoir envie de s'exposer au Bitcoin. Il peut y avoir d'autres raisons aussi de passer par le Bitcoin et pas par des stablecoins, c'est que vous avez parfois des entreprises qui veulent ne pas être soumis au droit américain, par exemple. Parce que quand vous utilisez du dollar pour le commerce international, vous êtes soumis à la loi américaine. Donc souvent, ça peut être utilisé de manière un peu détournée pour aller vous chercher sur des marchés de compétition où il y a des acteurs américains, etc., etc. Donc le fait de passer par Bitcoin, c'est pas du dollar. Donc vous n'êtes pas soumis au droit américain. Et troisième chose, là, c'est plus être tourné vers le retail où vous avez une classe de population, ça va être surtout ceux qui sont technophiles, qui vont être intéressés au paiement Bitcoin ou bien aussi à l'international. Donc là, encore une fois, si on est français moyen avec un compte en banque, des virements SEPA et un euro fort, l'utilisation des cryptos comme moyen de paiement relève plutôt de l'idéologie. Par contre, si on est vénézuélien, si on est libanais, si on est turc en ce moment, si on est peu importe, en fait, en gros, la moitié des pays dans le monde, leur monnaie est plus volatile que le Bitcoin. Donc ils sont intéressés à les payer en stablecoin ou en Bitcoin. Alexandre, peut-être ouais, aujourd'hui, les sollicitations des clients qu'on peut avoir, c'est sur quel cas d'usage ce qui vient le plus actuellement ? Juste après okay, la slide, mais je termine avec ouais, mon cas d'usage NFT. Donc sur le cas d'usage NFT que j'ai déjà détaillé, donc je ne vais effectivement pas y passer trop de temps, on est plutôt sur de la création de communauté et de l'engagement. Alors ce qui est drôle, c'est que très souvent, nous, on a des clients qui viennent, ça me fait une petite transition, on a des clients qui viennent surtout pour la partie 3, d'ailleurs que ce soit PME ou grand groupe, hein, on retrouve aussi ça chez les grands groupes, où on va avoir des équipes métiers qui vont dire « moi je veux faire un NFT pour engager une communauté, créer une communauté ». Mais pour créer un NFT, pas de chance, il faut payer en Ether. En tout cas, si on le fait sur Ethereum, il faut payer dans une autre crypto. Et donc, à ce moment-là, la direction financière arrive et dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment je le comptabilise ? Comment je le fiscalise ? Est-ce que je rentre une plus-value ? Etc., etc. » Et donc, en fait, on remonte via les métiers et les NFT sur des cryptos
Et ensuite, la direction financière s'aperçoit qu'on peut faire des transactions internationales, etc., etc. Et donc, l'intérêt se développe sur les autres cas d'usage. Donc ça, c'est une histoire, entre guillemets, le chemin qui arrive chez un certain nombre de nos clients, et ce qui me permet aussi de traiter les questions à poser. Je termine avec justement un peu le panel de ce qu'on fait et ce qui me permet de répondre aussi à la question. Alors, nous, on est l'équipe Blockchain Partner by KPMG, on a l'expertise crypto. Donc, les sujets qu'on traite en standalone, c'est les sujets d'expertise crypto. C'est de la stratégie, du benchmark, de l'étude de marché, de la recommandation, du cas d'usage, de l'idéation, de l'expertise, de l'infrastructure, ce genre de choses. Où on a une équipe, donc comme je le disais, on a un stand à côté si jamais vous voulez discuter avec nous. On travaille sur tous ces sujets-là. Mais évidemment, KPMG, c'est pas que 20 personnes qui sont dédiées à la crypto. Donc, il y a plein d'autres sujets, cyber, risque, compliance, traçabilité des transactions, évidemment fiscalité, comptabilité, etc., qui sont des sujets qu'on traite avec l'ensemble du groupe et avec l'ensemble de nos clients qui viennent nous chercher sur ces sujets-là, parce que quand on traite de la crypto, encore une fois, c'est un sujet global. On ne peut pas juste le traiter par un bout de la lorgnette et se dire je vais faire un NFT et créer une DAO derrière. Bah non, en fait, c'est déjà, un schéma d'ensemble. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et ensuite, il faut voir les implications que ça donne pour un groupe ou pour une entreprise, évidemment, en règle générale. Donc, sur ce, évidemment, je vais ouvrir aux questions. Il nous reste probablement 0 minute. C'est ça. Exactement. Mais on va quand même en prendre une ou deux. On va quand même en prendre une ou deux parce qu'on nous dit une de loin. Une. Parce qu'on nous presse. Mais déjà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère qu'on ne bloque pas trop la circulation dans les allées. Mais c'est ça devrait bon aller. Signe. Est-ce qu'il y a une question? Ouais. Bonjour. Je voulais juste savoir, est-ce que KPMG... aide à la tokenomie pour les PME et montrer comment s'ils créent une crypto, ils pourraient l'utiliser. Alors, on peut aider à designer un jeton, donc de dire voilà, il se serait bien que ce soit comme ci, comme ça, ou en tout cas l'expérience de marché nous dit ça, avec deux disclaimers. Le premier, c'est que s'il y a une levée de fonds derrière, on ne peut pas. C'est-à-dire que si ce jeton sert à lever de l'argent, aujourd'hui on n'a pas les garanties nécessaires pour pouvoir impliquer la marque KPMG sur ce genre d'opération, donc là je réponds de manière très transparente, on peut pas. Donc c'est plutôt des jetons généralement qui ne servent pas à faire de la levée de fonds, et en réalité ça a tendance à diminuer le marché de beaucoup. Et la deuxième chose, c'est qu'on va aussi probablement, si on intervient dans ce contexte là, on va probablement aussi questionner l'utilité de faire un jeton d'abord. C'est à dire que beaucoup de gens veulent souvent faire des jetons. D'abord on va venir challenger, est-ce que c'est nécessaire de faire un jeton? Parce que le risque à faire un jeton, en fait, il est pas tout le temps là où on le pense. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, je vais créer un jeton, ça va être super génial. Et le jour où il est lancé, il n'a pas d'utilité, il n'a pas de marché. Et il crée une obligation envers des gens qu'on n'a pas envie d'avoir. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un poids à gérer, avec un jeton qui a un marché, qui est ingérable, puisque par définition, les cryptos, je peux les vendre à n'importe qui dans tous les sens. Donc, on n'a pas forcément envie de se créer une obligation de ce côté-là. Et donc, il faut bien vérifier que ce jeton, il va faire quelque chose qu'on ne peut pas faire sans un jeton. Troisième disclaimer aussi, c'est que c'est un marché qui est jeune, donc évidemment on a des recommandations, mais qui ne peuvent pas être sûres de marché. Dans le marché des cryptos aujourd'hui, tout le monde itère, on essaye de faire des modèles de crypto, ça marche, ça marche pas, il y a des bonnes pratiques qu'évidemment on va sonder, on va regarder dans le marché, mais personne ne peut avoir la garantie en disant voilà, si tu fais ton jeton comme ça, il va évidemment marcher. Parce que 90% de la proposition de valeur du jeton, en réalité, c'est le sous-jacent. Et le sous-jacent, c'est vous, c'est pas moi. Donc vous voyez ce que je veux dire. Mais effectivement, on peut en discuter si ça vous intéresse, on a le stand derrière. Je crois qu'on va être obligé de couper, malheureusement. On nous dit non, on mais dit on non va, très fort. On mais... peut les faire juste après, on coupe la séquence. Not yet, malheureusement. J'aimerais bien. C'est un autre sujet. Mais c'est une bonne question. On y travaille. Merci à vous tous. Merci. Alexandre, merci. J'en profite pour redire que voilà. Nous avons cette petite étude. Pour ceux que ça intéresse, nous sommes sur un stand derrière Blockchain Partner by KPMG. Et vu que j'ai vu que c'était un peu le cas dans le salon, si ça intéresse des gens, nous, on n'a pas de NFT, mais on a beaucoup de bonne humeur à donner. Et éventuellement, pour ceux que ça intéresse beaucoup, on pourra faire des démos de paiement, Bitcoin, de choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci.